Break me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Et bien c'est tout, c'est Mistobi 160. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'attaque des Titans épisode 10. Et cet épisode était oufissime, encore une fois, putain. Entre My Hero Academia, qui a fait de la merde durant leur dernier épisode, mais alors, attaque des Titans, ils arrêtent pas de faire du bon, tout le temps, chaque épisode. C'est un truc de malade. Attaque des Titans, faut arrêter, les gars. Là, vous nous mettez trop de trucs trop bien. Enfin, faut pas arrêter sur ce lancer-là, mais calmez-vous, parce que je suis en trop d'émotions montées en moi à chaque fois que je regarde un épisode. Tu vois, je regarde un épisode, je me dis putain, ça c'est de la balle, ça c'est de la balle, ça c'est de la balle. Je peux même pas dire ça c'est de la merde parce que c'est de la balle tout le temps. Voilà, vous pouvez pas nier que, de toute façon, Attaque des Titans là actuellement, comme vous l'entendez dans ma voix, c'est pas de la balle parce que honnêtement là actuellement l'épisode était magnifique, comme tous les autres d'ailleurs. Mais celui-là montrait un tournant dans l'histoire de Levi et de Kenny. Voilà. On parle du passé de Kenny, du passé de Levi. Et on parle du précédent hôte du premier roi, c'est celui qui a les yeux un petit peu bleusâtres et tout. Et on voit pas mal de choses. On voit la discussion aussi entre Levi et Kenny. Tout simplement, désolé, une petite remontée d'air, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Bref, donc on va commencer la review tout d'abord par Kenny qui est d'un coup dans l'arbre, sur l'arbre, et voit son passé, en gros, elle se remémore son passé, et on le voit, alors je regarde un petit peu là-bas, parce que je regarde un petit peu les photos défilées aussi, tout simplement, il voit son passé, et on le voit directement pris d'une main de titan, je sais pas comment, what the fuck, tu fais, wesh, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est l'ancien hôte du pouvoir du roi, pour contrôler les titans, et Kenny est en train de se fight contre lui, et il s'est fait prendre directement par le bras de ce titan-là, qui s'appelle Uli, en fait l'autre s'appelle Uli, donc du coup c'est le frère de Rod, en gros de Rod Race, c'est le frère, et du coup et ben ça se fight et tout, Rod qui dit vas-y bouge le pas, je vais le tuer, il dit non tu le tues pas, on va discutailler et tout ça, et en fait il comprend que c'est un Ackerman, donc on confirme bien que Kenny est Ackerman, tu vois, Kenny Ackerman, et du coup bah ça fait des trucs pas mal, il parle. Kenny qui s'excuse envers tout le monde et en gros il voit que Uli s'agenouille et dit excuse-moi pour tout ce qu'on a fait à ta famille, excuse-moi. Tu fais ah d'accord, bon voilà. Et Kenny du coup rentre en tant que plus Kenny l'égorgeur, mais Kenny aide plutôt la brigade spéciale et aide Uli à avancer dans cette quête. Et c'est assez intéressant. T'as vu, j'ai bugayé tellement que c'est de la balle cet épisode, tu comprends pas, mais c'est cet épisode était ouf. Pour moi, ça, là, actuellement, je suis en transe, au mode, tu vois, je suis trop bien dans cet épisode, je l'ai trop kiffé. Pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé cet épisode, parce que moi, je l'ai kiffé. Voilà, donc c'était un petit aparté. Voilà, bref, après, on le voit, au fur et à mesure du temps, il va revoir Kika qui s'appelle Kadel, et en gros, ouais, voilà. Et en fait, elle est morte, voilà, elle est décédée, elle a que la peau sur les os, et encore, elle est décédée. Et d'un coup, on entend un enfant qui dit, bah ouais, elle est décédée, voilà, elle est morte. Et en fait, on reconnaît que c'est Levi. Et Levi étant plus jeune, qui était complètement, mais atrophié. Bref, il était à deux doigts de mourir, le gamin. Enfin, Levi petit, plutôt. Et c'était assez chaud, tu comprenais qu'en fait, on voit l'entraînement de Levi. Donc, du coup, il parle un petit peu avec Kenny. Il fait, moi, je m'appelle Levi, tout court. Et toi, bah moi c'est Kenny tout court, parce que c'est vrai que dans sa famille, ils peuvent pas trop dire leur nom. Donc, Kenny Ackerman, Levi Ackerman, Cade Ackerman, Mikasa Ackerman, enfin des trucs comme ça, c'est un peu complexe. Vu qu'ils ont un truc bien au-dessus au niveau du roi, et ben voilà. Donc du coup ça continue, et donc du coup Kenny, au lieu de partir repartir et laisser Levi dans la merde, et ben il l'a entraîné, comme il l'a expliqué de nombreuses fois dans les précédents épisodes. Mais là, on voit son entraînement, on voit l'évolution de Levi, comment il est devenu aussi fort. Et ben c'est grâce totalement à Kenny, hein. Il lui a appris le maniement du couteau, il lui a appris comment bien se battre et tout ça. Et après, on le voit bien se battre, Levi, on le revoit avec ses cheveux courts. Et voilà, on le reconnaît bien, Levi étant plus petit, qui savait se battre, et voilà, et il défonçait même des adultes.
Et Kenny l'abandonna parce que voilà, il savait que bah, il avait autre chose à faire que bah, s'occuper de Levi, tout simplement parce que eh ben il est plus bah, il sait pas son père, hein, c'est tout simplement il n'a pas la fibre paternelle comme il l'explique. Et ça c'était waouh, je comprends que Kenny en fait aurait bien aimé être avec Levi, mais il ne pouvait pas, en fait, il se sentait pas de le faire. Donc il l'a pas laissé tomber parce qu'il en voulait pas, il l'a laissé tomber parce qu'il ne savait pas quoi, comment le gérer. Voilà. Et donc après, on voit la suite avec Uli. Uli et Kenny deviennent de plus en plus vieux durant au fur et à mesure de l'épisode. Et du coup, ils discutent au bord de la mer. Et bah, Uli explique qu'il va léguer son pouvoir à un des fils à Rod. À Rod, pardon. Parce que tout simplement, bah voilà, c'est la tradition. Et il y en aura un forcément qui va avoir le même pouvoir que moi. Et Kenny lui pose comme question, mais je savais pas qu'on pouvait le léguer. Si, tu peux le léguer, mais en fait, il commence à sourire. Uli, je pense qu'il avait compris les intentions de Kenny. En gros, oui, tu peux te le léguer aussi à toi, mais ça va pas être la même. En gros, c'est ce qu'il se posait comme question, Kenny. Il n'a jamais été titan, Kenny, donc c'était assez complexe de voir ça. Il n'a jamais été titan. Et il se demandait aussi comment c'est de devenir titan. Et en gros, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans le fur et à mesure de l'épisode, c'est qu'en fait, on comprend qu'en fait, il aurait bien aimé voir comment ça fait d'être titan. Et ça, c'est assez intéressant. Donc après, bah, Uli, on voit la cérémonie avec les fils de Rod et, comment ça s'appelle, putain la meuf, la sœur de History, on va l'appeler comme ça parce que j'ai plus le nom en tête, Ulieda ou un truc comme ça, donc elle bouffe du coup le frère de Rod, donc Uli, et elle a le pouvoir, donc elle a le pouvoir de contrôler tout le monde sauf les Ackerman et l'autre famille, je sais plus, donc du coup, elle a les fameux yeux que Uli avait, c'est ce qui expliquait Kenny en gros, et elle reconnaît la même truc de paix, elle refait la même chose que Uli, totalement à l'identique, c'est ce qu'il explique, et ça c'est assez intéressant parce que tu comprends qu'en fait c'est complètement dirigé par le premier roi quoi, c'est lui qui va être dirigé quoi, c'est direct, tu vois, tu vas faire ça, tu vas mourir, tu repasses à un autre, ça va, il va faire ça, et tu vois, c'est, en gros c'est un peu en explication comme ça, et ça c'était super intéressant parce qu'on comprend la fonctionnalité des personnes. Et ça, c'est cool. Franchement, comme vous l'entendez à ma voix, je l'ai bien kiffé cet épisode. Il y a tellement une bonne révélation que je vous l'explique. Mais comme si c'est comme si je viens de le regarder. Hein. Comparé à My Hero Academia, où j'ai eu du mal à l'expliquer, où j'ai dû faire des cuts au montage pour vous l'expliquer. Là, celui-là, il part tout seul. Hein. Il est au calme. Putain, cet épisode, je l'ai vraiment kiffé. Sans Attaque des Titans, je le kiffe. Et d'ailleurs, petite news. Attaque des Titans arrivera jeudi soir. Voilà, un petit live Attaque des Titans. Je balance ça comme ça, les potes. Voilà, donc soyez présents. Bref, du coup, on retourne sur l'épisode. Donc après, on voit Kenny, du coup, qui se remet directement sur l'arbre. Au tout début de l'épisode, on voit Levi et tout, qui fait sa petite ronde pour chercher les gens qui sont encore en vie. Et il y a l'autre, un agent, un mec du bataillon, il dit, on a retrouvé Kenny. Et après, on part sur la... Du coup, comme je vous ai expliqué tout le long de la vidéo, voilà, j'ai un peu de mal, mais bah, tout simplement, on voit l'histoire de Kenny. Et le passé de Levi également. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont montré directement, avant de savoir que Levi était un Ackerman, on a vu bien le petit truc, tu sais, lors des petites pages de pause. De genre, il y a Levi, il y a Kenny et il y a Mikasa. Donc tu comprends que Levi est un Ackerman aussi également. De toute façon, on l'avait bien compris hein, depuis. Donc du coup, t'as Levi et Kenny qui est en train de faire ça, qui vont parler du coup. Et Levi commence un petit peu à s'énerver. Il lui dit, oh, comment, est-ce que tu sais quelque chose par rapport au premier roi? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il n'a pas voulu sauver l'humanité? Il a fait non, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Et du coup, voilà, que Levi et tout, et Kenny commencent à parler. Parce que lorsque Kenny sort la boîte avec l'injection pour devenir titan, c'est à ce moment-là qu'il s'explique, qu'il dit ah, j'ai jamais vu cet angle-là, j'aurais bien aimé le voir. Et Levi lui dit pourquoi tu t'es pas fait ça avant? Parce que au moins, t'aurais été sûr de pas être aussi blessé que là t'es, et au moins, t'es tranquille. Il lui explique que tout simplement, bah, il l'a pas fait avant parce qu'il vaut. Voilà, il voulait continuer, hein, et franchement. Et il comprend tout simplement qu'il y a tout le monde a besoin de quelque chose pour tenir et avancer dans la vie. Genre la puissance, l'héroïsme, les trucs comme ça. Chaque émotion pour tenir et avancer. Ça, c'est assez intéressant parce que Attaque des Titans montre bien le côté vraiment humain de la personne. Et ça, c'est bien. Ils l'ont monté le côté connard et là, ils montrent le côté humain de la personne. Et ça, c'est cool. Et du coup, ça avance comme ça. Kenny, bah, en gros, explique. À Levi, bah, que c'est son oncle parce que c'est le frère de Kaida, de Kada, Kaida. Bon, je l'ai sûrement dit en début de la review, mais voilà, c'est le frère de Kaida, donc du coup, il est l'oncle
de Kenny, de Levi, pardon. Il m'embrouille cet épisode, tu vois, parce qu'il était tellement bien. Du coup, c'est un truc de ouf. Tu fais révélation au maximum. Tu fais au départ, c'est son père ou c'est pas son père, c'est son frère, c'est son quoi, c'est son... Non, c'est juste son oncle. Et bon, à côté, t'as l'émotion qui monte comme ça, tu te dis, putain, c'est son daron. Et ben non, c'est son frère. C'est son oncle, putain. C'est chaud, quoi, tu fais, ah, ok. Et bon, c'est quand même une belle révélation. Levi est choqué, mais pas déçu. Hein. Vous connaissez Levi. Choqué, et en gros, Kenny, boum, il lui donne la boîte pour se faire piquer un titan. Voilà, il donne la boîte, et il meurt, comme ça. C'était super beau à regarder, c'était magnifique. Après, on passe à l'épisode, bon après ça se passe vite, hein. On voit le couronnement de Historia, en gros on voit qu'elle devient la reine et tout ça. On voit un petit peu d'autres choses, mais c'est pas non plus super intéressant. Ce qui était vraiment intéressant, c'était la première partie d'épisode, la seconde partie, bon bah, on voit Historia qu'elle devient reine. Après on voit qu'elle va foutre un gros coup de poing à Levi. Oh, tu veux comprendre, what the fuck? Tu fais, wesh, mais elle est malade, elle va se prendre une pêche, tu vas pas comprendre. T'as beau être la reine, Levi, il s'en bat les couilles, il va te foutre une droite. Et en gros, Levi dit merci à tous. Ça, c'était juste après que Kenny meurt, hein, malheureusement. Donc du coup, tu comprends bah, qu'il est dégoûté et aussi, bah, il est content d'être, pas débarrassé de Kenny, mais je veux dire, il a de le voir, de savoir c'est qui, en fait, pour lui, maintenant. Et du coup, Levi, il sait que c'est un Ackerman. Et du coup, voilà. Donc après, on enchaîne sur un titan cuirassé par terre, tu sais pas ce qui se passe. Tu fais, attends, explication là, parce que d'où le titan cuirassé se fait exploser la gueule. Il s'est fait exploser, hein. Quand je dis exploser, c'est exploser. Hein. C'est titan par terre, nickel, au calme. Là tu fais, ah, d'accord, pourquoi? Et ben du coup en fait je t'explique. Et ben tout simplement, il s'est fight avec le titan bestial. Donc tu fais, ah oui, et en gros le titan bestial est plus fort que le titan cuirassé, sachant que le titan cuirassé, justement d'où son nom, il est cuirassé, quoi, donc il mange pas de coups. Alors la même avec Eren, bon, Eren lui, c'est, il a titan rien, titan casse-couille on va l'appeler, mais voilà, donc il s'est fait exploser, c'était un combat je suppose pour savoir qui va gagner et qui fait ça, pour un truc semblable. Donc soit on va sauver, parce que c'est ce qu'on comprend dans l'épisode, c'est soit le titan cuirassé gagné et on allait sauver Annie en premier, soit c'était le titan bestial et on allait chercher Eren. C'était un peu ça qu'ils ont dit, et c'est assez compliqué, t'as vu. Donc du coup le titan bestial l'a niqué, ouais, il a battu Reiner quoi, donc Reiner et Bartha vont devoir retourner chercher Eren. Et donc du coup, bah t'as le titan bestial, on revoit sortir bah, l'autre, et bon, bah, on sait toujours pas c'est qui, hein. Enfin moi perso, ne me spoilez pas en commentaire, je ne sais pas c'est qui, parce que je sais... À peu près, qui sait, à peu près, je dis bien, parce qu'on m'avait bien spoilé lors de mes let's play Attaque des Titans, donc du coup, je connais bien. Bref, ça se finit sur ça, on voit qu'ils vont partir sur ça, et voilà, c'est super, méga, cet épisode était ouf, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez kiffé l'épisode, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros meilleur pouce bleu, bien évidemment, à partager la vidéo sur le réseau, sur Facebook, Twitter et Snapchat, et même sur Discord, et rejoignez-moi sur ces 4 réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant bien évidemment la petite cloche. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le bataillon, c'est la vie.